Aujourd'hui, petite vidéo tuto. Ouais, parce que mes potes ils me disent toujours que mes vidéos on dirait des tutos. Du coup, je vais faire un vrai tuto sur la Jumpman. Ouais, tu connais la Jumpman? C'est une petite pédale magique. Et je vais vous faire un petit son. Je sais pas encore lequel. Bon, on prend la guitare. Quel son on va faire? Un morceau qui est pas sur l'album, peut-être. Oh, si vous voulez, dans la description, il y a le lien pour aller sur Bandcamp pour télécharger le deuxième album qui est enfin disponible en version électro. Mais en ce moment, en live sur scène, je fais des bêtises avec ma Jamman. Du coup, un petit tuto comment ça marche la Jamman. Tu vois, là, t'as un bouton play, là, t'as un bouton stop. Et puis voilà, je vais vous montrer les bêtises qu'on peut faire avec ça sur un morceau qui s'appelle Écouter. Téléphone nous espionne, a priori notre avis n'intéresse personne, il paraît que l'on nous écoute. Si seulement c'était vrai, y'a de quoi avoir des doutes vu ce qu'ils racontent à la télé. Et ouais. Sont-elles parfois en veille, a-t-on besoin de ça? Nos mobiles ont des oreilles et parfois des caméras. Si vous surveillez avec tant de précision, ça ferait des années que les prisons seraient débordées et au bord de l'explosion. Sinon c'est sûr qu'ils prendraient d'autres décisions. Si on est sous la surveillance de Big Brother, a-t-on vraiment une chance face aux ordinateurs et cette intelligence qu'on appelle artificielle? A-t-elle une conscience? Est-elle virtuelle ou réelle? Quelqu'un qui m'a dit oui, y'a quelqu'un qui m'a dit. A priori notre avis n'intéresse personne, il paraît que l'on nous écoute. Si seulement c'était vrai, y'a de quoi avoir des doutes vu ce qu'ils racontent à la télé. Et ouais. Certains prétendent que tout est de pire en pire. Le bonheur qu'ils vendent n'est pas ce à quoi on aspire. Toujours un truc à apprendre pour les défis à venir. Refusons de nous rendre, cultivons notre avenir. Une bonne éducation nous coûterait moins cher que la répression qui oblige à taper son frère. Vivons la vie avec passion et pour ceux qui nous sont chers. Avec un peu de compassion, on mettrait fin à la misère. Avec un peu de compassion, on mettrait fin à la misère. Si quelqu'un nous écoute, pourvu que ça l'inspire, y'a de quoi avoir des doutes vu ce que les médias transpirent. L'écran du JT se floute et ils nous font croire au pire. Nous prennent pour des biloutes et ment comme ils respirent. Nous prennent pour des biloutes, ils mentent comme ils respirent. Y'a quelqu'un qui m'a dit oui, y'a quelqu'un qui m'a dit que nos téléphones nous espionnent. Mais a priori notre avis n'intéresse personne, il paraît que l'on nous écoute. Si seulement c'était vrai, y'a de quoi avoir des doutes raconte à la télé. Y'a quelqu'un qui m'a dit oui, y'a quelqu'un qui m'a dit, y'a quelqu'un qui m'a dit. Mais j'ai plus trop qui, non. Non, je ne sais plus trop qui. Y'a quelqu'un qui m'a dit, mais je ne sais plus trop qui. Y'a quelqu'un qui m'a dit. Ouais, c'est des tutos freestyle dans mon salon. Écoutez-nous. Écoutez-nous, yo, écoutez-nous. Y'a quelqu'un qui m'a dit.